Ici, Georges, on est probablement dans l'un des plus beaux endroits de l'Irlande. Oui, c'est un spectacle vertigineux. Les falaises de Moher s'étendent sur 8 km et elles montent jusqu'à 240 mètres au-dessus de la mer. Et c'est pas autorisé de marcher là où ils marchent, hein ? Non, c'est interdit de marcher de ce côté, car il y a eu des glissements de terrain. Ce qu'ils font là, par exemple. Nous, on va rester ici, sur le chemin autorisé. Hein ? Comment ne pas tomber sous le charme de ces magnifiques paysages ? C'est vraiment superbe ici. Bonjour à tous, hello ! Vous l'aurez probablement deviné, nous sommes en Irlande pour ces nouvelles échappées belles. Je vous présente Georges, mon ami, mon nouvel ami qui va m'accompagner au tout début de ce voyage. Je voudrais quand même, pour commencer ces aventures en République d'Irlande, dire quelques mots en gaélique. Hein ? Si je dis « Folcha », c'est « Bienvenue », « Welcome ». Oui, Sophie, bienvenue aux falaises de Moher. Nous sommes heureux de t'accueillir en Irlande. C'est gentil, ça. En Irlande, je suis sûre de deux choses, en prendre plein les yeux côté paysage et rencontrer des gens accueillants et au caractère bien trempé. Georges, mon guide, le tondeur de moutons au grand cœur. Je cherche la femme idéale, un peu comme tout le monde. Je suis pas au top, là. Parfait, faut pas oublier tes lacets. Merci, mon prince. Je remonte jusqu'aux oreilles. J'ai aussi hâte de faire la connaissance de Sean, le cristallier passionné de moto. Voilà ton casque pour monter derrière moi. Marianne et ses enfants, une famille unie par la danse. Michael danse depuis qu'il a 4 ans. Et le but ici est de gagner le championnat du monde. L'Irlande a gardé une part de mystère. On dit que si tu peux passer par la petite fenêtre, tu vas directement au paradis. Et certaines légendes ont la peau dure. Dans toutes les vieilles histoires qu'on m'a racontées, la rousseur est un mauvais présage. Il faut éviter ce genre de personnes. Mais la résistance s'organise. Résistons les roues, restons solidaires et gardons la tête haute. Même de ce côté-là, c'est joli. De toute façon, c'est beau partout ici. C'est aussi l'île verte, hein, l'Irlande. Comme le dit le dicton irlandais, l'herbe verte, très verte de mon pays. Alors tous les deux, on a un point commun, George. On voyage beaucoup et on aime ça. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi exactement ? Parce que je tonds les moutons, je les débarrasse de leur laine. Je voyage dans le monde entier, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud et un peu partout en Europe. Voyager, c'est vraiment ce que je préfère. Et plus il y a de moutons, mieux je me porte. Ici, c'est le plus beau point de vue. Et à cette heure de la journée, tu peux voir les variations de lumière sur l'océan. Sublime. C'est une côte déchiquetée, offerte aux quatre vents et soumise aux assauts de l'océan Atlantique. Sur plus de 2600 km, une route côtière longe toute la façade ouest de l'Irlande. On la surnomme la Wide Atlantic Way, la route de l'Atlantique sauvage. Cette route, Patrick la connaît bien. Il l'emprunte tous les jours à vélo. Et il ne s'en lasse jamais. Je prends cette route très souvent. Pour aller au boulot, pour aller chez moi, ou quand je rentre du bar après une bonne bière. C'est vraiment spectaculaire. En été, on peut voir plein de surfeurs. Et en hiver, on peut admirer les tempêtes avec les grosses vagues. C'est vraiment magnifique. Il y a plein de fleurs différentes. On ne s'ennuie jamais ici à vélo. Par endroits, la route côtière bifurque vers de petits sentiers inaccessibles aux voitures. Un vrai terrain de jeu pour Patrick, qui n'a pas peur de rouler au bord du précipice. Faire du vélo ici, ça me donne une sensation de liberté, et d'aventure, et d'adrénaline. Être si proche de la mer, prendre la houle en pleine figure, c'est des sensations fortes. C'est dans ces moments-là que je me sens pleinement vivant.
Saint-Patrick, les adeptes de sensations fortes sont nombreux à apprécier la White Atlantic Way. Morning. How's it going? Yeah. All set. C'est aussi le cas de ce petit groupe d'étudiants qui s'apprête à prendre la route, comme chaque week-end, pour rejoindre les plus beaux spots d'escalade. Ici, le calcaire est de très bonne qualité. Il s'est déposé pendant des millions d'années. Et comme les vagues ont érodé la base des falaises, on a une paroi qui plonge à pic dans la mer. C'est vraiment un type de roche idéal pour l'escalade. La route permet d'accéder aux falaises les plus escarpées du pays. Comme cette paroi rocheuse de 40 mètres de haut, connue de tous les grimpeurs irlandais. En hiver, l'océan est complètement déchaîné et les vagues viennent heurter les falaises. C'est pour ça que la paroi est si propre. Il n'y a pas de végétation ni de boue, donc c'est très pratique pour s'y agripper. C'est sans doute le meilleur spot d'escalade de tout le pays. Et c'est parti. Ah, je suis bloqué, je ne sais pas où poser le pied. Il y a une petite faille sur la droite. On peut entendre la mer et les vagues s'éclater sur la roche, juste sous nos pieds. Ça apporte quelque chose en plus. On est vraiment en contact avec la nature ici. Ok, donne du mot. Un peu plus loin, la Wild Atlantic Way est jalonnée de petites criques dissimulées au pied des falaises. Autant de plages invisibles depuis la route, mais bien connues des surfeurs locaux. Les vagues ont l'air super. Dylan, on va bien s'éclater aujourd'hui. Allez, c'est l'heure de surfer. John McCarthy est un ancien champion international de surf. Originaire de la région, il est l'un des seuls à avoir réussi à surfer cette vague mythique au pied des falaises de Moher. Cette vague est classée parmi les 10 plus belles vagues au monde. Elle se forme au pied d'une falaise de 200 mètres et elle se casse en formant un tube parfait. Les surfeurs de toute l'Europe sont fascinés par cette vague. Cette vague légendaire n'apparaît que quelques fois par an, lorsque des conditions météo exceptionnelles sont réunies. Le reste du temps, John trouve tout de même de quoi surfer sur l'une des nombreuses plages desservies par la Wild Atlantic Way. Les vagues sont nickel, c'est une bonne journée. En Irlande, c'est très rare qu'il n'y ait pas de vent. Et là, on a de belles vagues, pas de vent, c'est parfait. C'était une super session, pas vrai? Ouais, c'était pas mal. T'en as attrapé de belles? J'ai surfé partout sur la planète. Mais ici, c'est vraiment ma plage préférée. Même si, bien sûr, en hiver, il fait froid. Mais il y a très peu de gens et plein de bonnes vagues. Donc pour moi, c'est la meilleure plage du monde. Emprunter la Wild Atlantic Way, c'est faire l'expérience d'un grand bol d'air à l'irlandaise, avec comme compagnon de route un océan déchaîné et des falaises vertigineuses. Atlantic Way, c'est différent, mais c'est charmant aussi, hein, ces petites routes qu'on emprunte. On est un peu plus dans les terres, mais c'est une autre facette de la Wild Atlantic Way. Le paysage qui défile est différent, et il n'y a plus la mer en décor. Bon, c'est pas tout ça, mais t'as du travail quand même, hein. On va pas passer notre temps à se balader, tous les deux. Là, nous nous dirigeons vers une ferme, qui est un peu plus haut dans les montagnes. Il y a beaucoup d'éleveurs ici, dans la région. L'Irlande, c'est vraiment une terre d'élevage.
Oui, les agriculteurs représentent une part importante de la communauté. Il y a beaucoup d'éleveurs et la taille moyenne d'un troupeau en Irlande est d'environ 96 têtes. Ça y est, on commence à grimper. Come on, Glenn. Come on, Glenn. Get back, Prince. Get back. Je suppose que tu es Tim. Bonjour. Nice to meet you, Tim. Sois la bienvenue. Tim et ses fils. Yes. Hein, yes. C'est ça. Yeah. Il y a du boulot alors, Tim, aujourd'hui avec tes moutons. Tu as combien de moutons en tout là dans ton troupeau? 450. D'accord. C'est un gros troupeau. Toi, Tim, tu es installé ici depuis longtemps? On est ici depuis 5 générations. Ah oui. C'est quoi le programme alors? Tim va rassembler certains moutons qui sont dispersés dans la montagne. Il va falloir les tondre et j'aurai besoin d'une assistante. Alors je suis à vos ordres. Le temps change là. Je me disais, il fait trop beau pour l'Irlande. C'est pas possible, il faut qu'il pleuve un peu. Bah ça y est, j'aurais eu ma pluie. C'est l'Irlande. Heel up here. Heel up here. Come in. Tu as marqué certains de tes moutons, c'est pour pas les confondre avec ceux de ton voisin, c'est ça? Chaque éleveur a sa propre identification. Nous avons choisi le rouge car de loin, ça se voit mieux. Oui. Oui, quand t'es là-bas, chez toi, au loin, tu... ils sont où mes moutons? Ah oui, là-bas. Je vois qu'il y a des petits moutons noirs, des blancs, d'autres sont tachetés. Les moutons tout noirs, en fait, ça arrive de temps en temps. Okay. Et dès que nous avons une brebis noire, on la garde car ce sont de très bonnes mères. La laine noire est précieuse, mais ne doit pas être mélangée à la laine blanche, car la laine noire ne prend pas la teinture. Tu peux voir que le terrain est vaste et pas vraiment clôturé. Et sans les chiens de berger, Tim ne pourrait pas rassembler son troupeau. Les chiens jouent un rôle très important. Voici mon voisin Dan, qui tond à la main. Il a détenu le record d'Irlande. Il a tondu 170... 186. Oui, 186 moutons au ciseau en 9 heures. C'était en 1966, je crois. C'était le record d'Irlande et du Royaume-Uni pendant de longues années. C'est un honneur de vous rencontrer alors, monsieur. Sans les mains, le mouton doit pouvoir être maintenu et à l'aise. Je remonte jusqu'aux oreilles, puis l'arrière de la tête. Je fais le tour de son bassin. Ensuite, je bloque sa tête entre mes genoux. Je descends sur la dernière cuisse. Et voilà. Là, t'as mis quoi? Mais même pas 3 minutes. La laine est vraiment très belle, hein? La plupart de cette laine sera mélangée pour faire des tapis et d'autres choses. La laine est la seule matière qui te tiendra chaud en hiver et frais en été. C'est un produit naturel incroyable. Maintenant, on a un petit défi à relever. Tu dois te mettre en tenue. Ok. Les petites chaussures comme toi? Oui, les mocassins spéciaux pour ne pas glisser sur la planche. Magnifique. Attends, je suis pas au top là? Parfait. Faut pas oublier tes lacets. Merci mon prince. C'est un travail d'équipe. So that's good. C'est parfait comme ça. Tu maintiens bien le mouton contre toi. Oh punaise, il s'en va. Pardon, hein. Yeah. Excuse-moi, vieux. Ouais. Tiens bien juste ici. Et avec cette main, tu prends la tondeuse. Okay. Tu peux commencer par là. Bouge pas, hein. Pour finir, il faut descendre jusque-là. Bah oui, tu te demandes ce qui se passe, hein. Ça va? Oui, c'est très bien, bravo. Merci, merci. Tu n'as plus qu'à tondre encore 5000 moutons et tu seras au top.
super. Thank you for the tea. Yeah, very good. Ah ouais. Tim, qu'est-ce que tu as pensé de mon travail alors? Est-ce que j'ai bien travaillé aujourd'hui? Tu as fait du très bon boulot. Tu ferais une très bonne assistante. Ah, c'est cool. Toi aussi, tu es d'accord? Excellent travail. N'en faites pas trop. Je vois que la relève est assurée, hein. Oui, nous aimerions transmettre nos traditions à la génération qui suit. On l'espère, s'ils le veulent. Peut-être qu'ils ne voudront pas faire ça, mais on l'espère quand même. En tout cas, Georges, toi, tu m'as fait découvrir à la fois de très beaux paysages et de très belles personnes, donc vraiment, c'était un plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demain, je vais à Lisdoun Varna pour le festival des célibataires. Alors, si tu as rencontré quelqu'un, tu m'appelles, ok? Je croise les doigts, et si c'est le cas, je t'envoie un message. Ok, cool, on fait comme ça, on fait comme ça, d'accord. En effet, durant tout le mois de février, a lieu à Lisdoun Varna un grand festival de rencontres amoureuses. Et 60 000 personnes y viennent dans l'espoir de trouver l'âme sœur. Et donc cette année, notre ami George a décidé de tenter sa chance. C'est une journée vraiment spéciale et je dois bien soigner mon allure, car ce jour va peut-être changer ma vie. Je suis venu ici pour trouver une femme belle, grande et très séduisante. Je cherche la femme idéale, un peu comme tout le monde. Je crois que je vais aller dans ce pub. On dirait qu'il y a de l'ambiance et pas mal de jolies filles. À l'occasion du festival, les bars du village se transforment en grands dancing où les célibataires des deux sexes sont chaudement incités à rompre la glace. Moi, je viens là pour m'amuser, pour la musique, pour la danse. Et pour lui. Il y a de tous les âges. Nous, on fait partie des plus jeunes. Et c'est super. Le festival a été créé il y a 150 ans, à l'origine pour rompre la solitude des fermiers de la région. Mais aujourd'hui, sans doute lassés par les sites de rencontres sur Internet, les célibataires affluent de tout le pays et même de l'étranger. Résultat, la concurrence est rude. Et George doit faire preuve de stratégie pour réussir à tirer son épingle du jeu. D'abord, je repère une jolie femme et je l'aborde pour lui proposer une danse, en espérant pouvoir engager la conversation. Alors, est-ce que vous avez rencontré un homme ici? Non, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Non, je suis juste là pour m'amuser, c'est tout. Ok, pas de problème, amusez-vous bien. George est à la recherche du grand amour. Et pour se faire aider dans sa quête, il décide de consulter la voyante de Lisdoun Varna. Alors, vous devez d'abord tirer 9 cartes. Je suis venu ici ce week-end. Pour trouver quelqu'un? Oui, j'espère rencontrer quelqu'un. Ceci est la carte qui nous informe que tu recherches vraiment le grand amour et que tu feras tout pour la protéger. Et si tu veux trouver cette femme de manière rapide, je te recommande d'aller voir l'entremetteur, Willy Daly. Willy Daly, d'accord. Il va t'aider. En effet, Willy Daly est un personnage incontournable. C'est un entremetteur très réputé qui tient une permanence dans ce bar. C'est ici qu'il reçoit les célibataires et qu'il enregistre leurs critères de sélection. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis tondeur de moutons professionnel et je voyage dans le monde entier. Et quel est ton genre de femme? Sur la base de ces informations et contre un petit billet, il est paraît-il capable de dénicher la partenaire idéale. Avec sa longue expérience dans le domaine, il a déjà permis à plusieurs centaines de couples de se rencontrer. Voici George. Il est fermier et il cherche une femme pour refaire sa vie. Je trouve que vous allez bien ensemble tous les deux, vous formeriez un beau couple. Vous devriez aller danser ensemble, ça vous permettrait de faire connaissance. C'est un homme charmant, très bien habillé, et il a un style de vie original. À mon avis, il n'aura aucun mal à trouver la femme qu'il lui faut.
Il faut toujours tenter sa chance et parier que ça va marcher. Bien sûr, on ne sait jamais à quel genre de femme on a affaire. Celle-ci est peut-être la bonne. Et sinon, ce n'est pas grave. On se sera quand même bien amusé. L'histoire ne dit pas s'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais une chose est sûre, ils garderont tous deux un excellent souvenir du festival de Lisdoonvarna. Ça va? Bienvenue à Galway. Merci beaucoup. Merci. Surtout sur ce beau marché de Galway, j'ai l'impression qu'il y a de très bons produits. Tout m'a l'air d'être bio ainsi. Hein. Tout est frais, en particulier les huîtres que tu vois là. Je vais en goûter une. Je te présente mon ami Mike. Ça va? On a deux variétés d'huîtres ici. Celles-ci sont des huîtres creuses et celles-là sont produites tout près d'ici. Toi, tu es souvent là sur ce marché? Ce marché existe depuis le 11e siècle, depuis que l'église existe. Donc on fait du commerce depuis le 11e, je suis là tous les samedis. Mike vend du poisson et des huîtres, mais c'est aussi un ancien danseur. Tu sais que je vais te présenter mes deux fils qui sont aussi danseurs. Mais Mike a débuté comme ça aussi. Donc la danse est vraiment très importante, comme la musique qu'on entend dans la vie des Irlandais. C'est très important pour notre culture et pour savoir d'où on vient. C'est vraiment une partie primordiale de notre identité. Et tu danses toujours? Oui. Tu veux que je te montre? It's gonna be good. Ah, ça se perd pas, ça. Hein? Ses pas sont très bons. Regarde ça. Ah ouais. Vraiment très bon. Bravo. Bah écoute, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Combien je te dois pour les huîtres? C'est bon, je te les offre. C'est vrai? C'est un cadeau irlandais. Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Hein. Au revoir. J'aime bien l'ambiance qui se dégage, moi, de cette ville de Galway. On sent qu'il y a une histoire hein, qui est vraiment importante. Galway est une très vieille ville. C'est un mélange entre médiéval et moderne. Regarde ces couleurs. Et ta famille alors, Marianne? Elle est d'ici? Elle est de Galway ou de la région? Je suis originaire de Sligo et mon mari de Dublin. D'accord. Mes enfants ont grandi dans le Colorado aux États-Unis. On y a tous vécu longtemps et on est revenu ici en 2006. Nous sommes Irlandais, mais les enfants ont les deux cultures. Ils ont un cours de danse aujourd'hui. C'est maintenant? Ok, okay bah, on y va. Comment ça va? Ravie de te rencontrer. Je te présente mon amie Sophie. Ça, c'est du gros câlin, ça. Ouais, c'est pas mal. Tu veux du scotch? Ces beaux garçons qui arrivent. Ce sont mes deux garçons, Matthew à droite et Michael. Michael est le plus grand, il a 18 ans. Matthew a 16 ans. Ah,
Salut les garçons. J'ai l'impression que c'est quand même une danse qui est très très exigeante. Hein. Vous êtes vraiment tout fin, très musclé et toujours affûté, quoi. On doit rester en bonne forme. Quand on danse, on doit utiliser les pieds, mais pas ce qu'il y a au-dessus de la ceinture. On se doit de garder le sourire aussi, pour faire croire qu'on s'amuse. Tout doit être juste, tu dois être en forme, et tu dois avoir un peu de chance. On a des cours 3 fois par semaine, mais on doit s'entraîner au moins 2 heures par jour. Michael danse depuis qu'il a 4 ans. Et le but ici est de gagner le championnat du monde. Mes garçons y ont participé chacun dans leur catégorie cette année à Montréal. Matthew a gagné le titre le mercredi, Michael le samedi. Ils ont réalisé leur rêve. Qu'est-ce que tu en penses? Magnifique, hein? Les garçons, c'est l'heure de ma leçon. Et c'est la première fois, alors ne vous moquez pas. Yeah, shuffle down. Ding, ding. Attends, refais-le. Yeah. Ding, one. Tac, tac. Two, yeah. Shuffle. Yeah. Faire l'équilibre. Shuffle, four, yeah. J'entends les filles rigoler derrière. Je crois que tu vas pas me prendre avec toi dans ton spectacle. Non, voilà. Merci beaucoup, les garçons. De vous faire du bien quand même de faire une pause, hein, parce que c'est vrai que c'est très sonore, hein, les cours de danse. Oh oui, ça fait du bien de faire une pause. Alors comment vous voyez votre avenir, les garçons? J'aimerais intégrer la troupe de Riverdance en tant que professionnel pour quelques années, et ensuite sûrement devenir professeur. J'aimerais faire des tournées moi aussi, et devenir prof. Tu les accompagnerais dans cette voie, toi? Ça fait partie de leur vie, ils aiment ça. Je crois que le but ultime est de danser pour Riverdance, ce que Michael vient de faire pour la première fois. On ne peut pas danser éternellement. On peut aimer la danse éternellement, mais c'est autre chose. À Galway, les claquettes ne sont pas le seul sport national. Il est aussi une autre activité très répandue, celle du lever de coude. La ville est réputée pour ses dizaines de pubs qui alignent leurs façades colorées dans le centre historique. Et chaque matin, les camions de livraison viennent ravitailler la ville avec de la bière en quantité astronomique. Colum, le barman du Tic Coily, est toujours là pour réceptionner la précieuse marchandise. Ce pub est très animé. On ne sert pas à manger, que de l'alcool. Pour sa taille, c'est sans doute le pub où l'on vend le plus de bière dans toute la ville. Parce qu'ici, c'est très populaire. Dans son établissement, on boit en moyenne 400 litres de bière par jour. Ça, c'est fait. Le matin, on a juste quelques clients. C'est très tranquille car on ne fait pas de petit-déj. On a aussi quelques cinglés, comme Tony. Eh, hey, mais attends, il y a encore plus cinglés. C'est le copain de Tony. Eh, hey, salut. Je retrouve mes copains ici chaque matin. On boit une petite tasse de thé ou de café. Et puis on refait le monde tous ensemble. C'est parce qu'on est trop vieux pour draguer des filles. Ses paroles n'engagent que lui. Hein.
Le Teak Koili est un établissement historique. Avec une centaine d'années d'existence, c'est même l'un des plus anciens pubs de la ville. Dans les années 60, le bar s'appelait le Genoa. Et il y a eu un grand incendie qui a tout ravagé. Ensuite, l'établissement a changé plusieurs fois en bar à cocktail, en bar musical, en restaurant. Et maintenant, c'est le Teak Koili et ça fait 16 ans que ça dure. Dans les pubs, ce sont bien souvent les clients eux-mêmes qui se chargent de la décoration. Comme ces écussons de police qui ont été rapportés petit à petit par des touristes américains. Ou encore ces billets de banque au-dessus du comptoir. Un jour, une touriste américaine qui aimait bien le bar a écrit sur un billet $1 et l'a accroché. Et depuis, tout le monde fait la même chose et ça s'accumule comme ça depuis une dizaine d'années. La journée avance et les buveurs de thé ont laissé la place aux amateurs de bière, qui affichent ici une nette préférence pour la stout, cette bière brune typiquement irlandaise et toujours servie avec doigté. Il faut remplir à moitié seulement et ensuite laisser décanter pendant 2 minutes. Et quand c'est bien noir, tu finis de la remplir. C'est ce qui la rend bien mousseuse. Comme tout bon pub, le Teak Koili réserve une place de choix aux musiciens amateurs pour une session de folk irlandais. Et comme il s'agit d'un pub familial, ici c'est le frère du barman qui est au violon. Il n'y a pas de scène, on boit des bières et on joue quelques morceaux, c'est très informel. On joue ce qu'on veut, il n'y a qu'une seule règle, jouer juste, mais personne ne la respecte. On fait de super rencontres ici. On peut tomber sur un copain qu'on n'avait pas vu depuis des années ou croiser un collègue de bureau. C'est ce qui fait la magie du lieu. C'est notre copine qui va bientôt se marier. Alors on est venu fêter ça. On s'amuse bien, il y a une super ambiance. Les musiciens sont très doués, on boit des coups. Ce pub est génial. Ce sont les clients qui font l'âme du bar. Si on a un bon mélange de gens qui viennent de différents milieux, ça crée une super atmosphère. Et dans ce pub, surtout, il n'y a pas de télé. Donc tout le monde fait connaissance et discute ensemble. C'est ce qui fait que ce pub est vraiment unique. De la bière, de la musique et des amis. C'est ce cocktail enivrant qui fait du pub un endroit si chaleureux pour tous les Irlandais. Très élégant. Merci. Je l'ai fait à la française, je suis venue avec les croissants. Merci beaucoup. Je fais des bises. Je te présente notre fille Anna. Bonjour Anna, ravie de te rencontrer. Nice to meet you too. Anna, ça te gênerait de me montrer quelques photos de toi et tes frères quand vous étiez petit? Sure. Peut-être que vous avez aussi quelques trophées que vous auriez gagnés. Ah, vous êtes trop mignons. Vous êtes adorables. C'était en 2001, quand on habitait dans le Colorado. D'accord. Et alors là, celle-là, c'est le premier trophée de Matthew. Matthew a grandi en croyant qu'on dansait dans toutes les familles. Il ne comprenait pas pourquoi ses camarades de classe ne prenaient pas de cours de danse. Là, c'est toi? Là, c'est moi. Trop mignon. Et là, c'est Michael. Michael qui remporte son premier titre de champion du monde à Londres l'année dernière. Okay, tout le monde à table. Là? Okay. Alors Owen, est-ce que c'est facile de trouver sa place dans cette famille de danseurs? Anna a commencé quand elle était toute petite. Je n'aurais jamais imaginé qu'on soit tous embarqués dans cette aventure. Mais la danse est un lien qui nous unit tous depuis toujours.
Comment sont les pancakes? Très bon. Non, ça va. Quelle note tu me donnes sur 10? 10. Oh! C'est l'heure d'aller à la messe, Marianne, c'est ça? C'est mieux d'y aller en avant si on veut être sûr d'avoir une place. Oh. On peut dire que c'est un temps typiquement irlandais, hein? On ne peut pas tout avoir. C'est grâce à cette pluie que notre pays est si vert. République d'Irlande, quelle est la proportion de catholiques et de protestants ? Il y a une petite proportion de protestants dans le sud. Nous avons d'ailleurs une magnifique église protestante, pas loin d'ici. Mais pour la plupart, les gens sont catholiques dans le sud de l'Irlande. Ce n'est plus un problème. Je pense que le plus important, c'est de se dire qu'on est chrétien. Ce n'est plus une question que les gens se posent comme à une certaine époque. C'est vrai que la messe n'est pas trop longue et l'église est pleine. Hein. Le prêtre doit être content. Oui. C'est bien pour les jeunes. C'est vrai. C'est dur pour eux de rester plus d'une heure à la messe. 25 minutes, c'est parfait. On aimerait t'inviter au spectacle que l'on donne ce soir lors d'un mariage. Oh, ok. Ah oui, avec grand plaisir. Mais est-ce que votre sœur Anna va danser aussi? Yes. Oui, elle va danser avec nous. Tous les trois danser ce soir. Génial, super. Merci pour l'invitation en tout cas. C'est sympa, dis donc, ici, comme endroit. On est où, là, exactement? On est au château de Clunaconin. On va faire le spectacle avec Anna et deux amis. On a deux morceaux typiquement irlandais, mais on essaye aussi de repousser les frontières et d'innover. Podium des clichés, le roux irlandais est sans doute aussi célèbre que la blonde norvégienne. Pourtant, la chose est bel et bien avérée. Avec 10% de roux dans la population, l'Irlande est la deuxième nation la plus rousse du monde, juste derrière l'Écosse. Avec une perruque orange afin de mieux se fondre dans la population, tâchons d'en savoir plus sur ce phénomène étrange qui a longtemps nourri les croyances populaires. Car dans cette contrée de légende, au paysage mystérieux, on voyait jadis d'un très mauvais œil ces personnages à la chevelure douteuse. Dans toutes les vieilles histoires qu'on m'a racontées, la rousseur est un mauvais présage. Il faut éviter ce genre de personne, surtout si c'est une femme, une rousse. Dans ce cas, il vaut mieux déguerpir sur le champ. Par exemple, si vous allez à une foire pour vendre du bétail, mais qu'en chemin vous croisez une rousse,
Alors rentrez chez vous, car vous ne ferez pas de bonnes affaires aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les anciennes croyances sont oubliées. Et les roues ne font plus peur à personne, sauf peut-être à quelques coiffeurs qui appréhendent un peu cette clientèle particulière. Je ne sais pas pourquoi, mais les cheveux roux sont toujours épais et très durs, comme du crin de cheval. Par exemple, pour ce type de cheveux, je vais mettre un peu de gel. Mais pour un roux, il faudrait que j'en mette deux fois plus, ou même de la superglue. En Irlande, les habitants sont conscients de ce cliché qui leur colle à la peau du crâne. Et aborder le sujet provoque immanquablement la même réaction. Tout le monde aime les roues ici, et toutes les nuances de roues. Il paraît que ça marche plutôt bien pour draguer les filles. Je ne sais même pas pourquoi il y a autant de roues en Irlande. Quand les premiers roues ont débarqué, ils ont dit « c'est notre paradis, c'est ici qu'on veut vivre ». C'est parce qu'il fait toujours gris, aucun risque de coup de soleil. Résistons les roues, restons solidaires et gardons la tête haute. En réalité, c'est du côté de la science qu'il faut chercher l'explication de ce phénomène. Il existe, paraît-il, un gène roux qui se transmet de manière invisible dans une grande partie de la population. Mais pour en avoir le cœur net, le mieux est encore de retourner sur les bancs de l'école pour un petit cours de biologie à l'irlandaise. Même si on n'a pas les cheveux roux, on peut tout de même être porteur du gène roux. Et cela ne se voit pas. Nous avons 46% de la population qui est porteur de ce gène. C'est très élevé. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants qui naissent roux. Les 500 000 roux que compte l'Irlande partagent non seulement la même couleur de cheveux, mais aussi un sens de l'humour qui frise le troisième degré. Ils sont même allés jusqu'à composer leur propre hymne national. Chaque année, les roux du pays organisent un grand festival pour célébrer la fierté rouquine et procéder au couronnement très solennel de leur nouveau roi. Mais quelle beauté! Il nous faudrait une plus grande couronne, une plus grande! Et Alan Weedy est nommé nouveau roi des roux, au nom de la carotte sacrée! Cette année, la couronne a atterri sur l'impressionnante touffe de cheveux de cet ingénieur de 25 ans qui déclenche désormais l'hilarité générale à chacune de ses royales sorties. Je veux absolument faire une photo avec vous, s'il vous plaît. Ma vie a changé. Je me balade et les gens me regardent, ils rigolent, ils viennent se prendre en photo. Je répands la joie et le bonheur autour de moi. Sa Majesté des Roux s'efforce de conserver le contact avec le bas peuple. Et il continue de fréquenter ses vieux copains presque comme avant. Alors, comment ça va? Oh, pas trop mal. Et avec les roux? Oh, mon peuple roux se porte bien. C'est pas mal d'être roi, en fait. Tes sujets te témoignent du respect? Oui, oui, oui. C'est toujours notre pote. On se voit toujours, même s'il est devenu roi, on est très fiers de lui. C'est un souverain éclairé. Oui, c'est ça. Je dois traiter mon peuple avec beaucoup de respect pour devenir le leader du peuple roux qui en a tant besoin, car trop souvent victime de moqueries. Parfois, les enfants vivent mal le fait d'avoir des cheveux roux. Mais je suis sûr qu'en voyant ma coupe, ça va les inspirer et ils se laisseront pousser les cheveux. Avec une bonne dose d'humour, les Irlandais ont détourné ce fameux cliché en une revendication culturelle sacrément tirée par les cheveux. Thank you.
Ma famille a toujours travaillé dans le cristal. Chacune de ces pièces est décorée à la main sur les meules diamantées qui sont là. Nous allons vous faire une petite démonstration. Salut, content de te voir. Voici donc notre flamme celte et notre étoile à 16 branches. Il n'est pas terminé, pas encore blanchi. Mais une fois poli, voilà ce que ça donne. C'est magnifique, hein? Merci pour votre attention. Merci. Bye bye, bye bye. C'est sympa, ça. Tu reçois souvent des gens dans ton atelier? J'adore rencontrer des gens. J'adore montrer ce que je fais, Sophie. Car nous sommes l'un des derniers ateliers à toujours faire ça à la main. Alors déjà, pour que je comprenne, Sean, ici en Irlande, il y a une tradition du travail du cristal? Tout à fait. Le travail artisanal du cristal en Irlande remonte à peu près à 200 ans en arrière. Et le premier travail d'un apprenti, c'est d'apprendre à faire une étoile. C'est donc ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. D'accord, très bien. Sophie, je voudrais que tu commences par une croix. Ouais. Tu mets la pièce au centre de la meule, puis tu bouges d'avant en arrière. D'accord. Je vais te guider. Ouais. Fais attention à bien viser la lame. Il faut que j'appuie un petit peu plus, ouais. Parfait, c'est très bien. C'est vrai? C'est bien? This one? Yes. C'est marrant parce que c'est à la fois très délicat et assez dur quand même. C'est parfait. C'est vrai? Le centre est bien, elle est bien répartie. Ouais, c'est du bon travail. Ah, je suis contente. C'est une très belle journée. Que dirais-tu de goûter une petite glace locale? Je vois que tu es gourmand, on va s'entendre tous les deux. Ah ouais, c'est là. Yes, this is Murphy's ice cream. Hello. Hi, bonjour, comment ça va? Salut Sean. Ah, Sean. Yeah. It's okay, salut Sean. Salut. Sophie, nice to meet you. Oh là là, je sais pas quoi choisir. Peut-être pain complet? Pain complet? Ça alors? Du pain caramélisé avec du sucre. C'est une très bonne idée. C'est bon ça. Et c'est vous qui faites toutes les glaces? Ouais. Du lait, c'est si bon. En Irlande, c'est frais et bon. Donc vous avez du bon lait, donc vous avez des bonnes glaces. Ouais, c'est super. Quelle est ta préférée, toi? J'aime la fraise. Strawberry. Strawberry, yes. Je vais prendre butterscotch. Caramel beurre salé. Mm. Alors? Elle est très bonne. Very good. Très originale. J'ai pu le voir à Galway avant, je constate qu'ici aussi à Dingle, il y a beaucoup de façades de maisons qui sont très colorées. Je ne peux pas te dire d'où ça vient, mais une chose est sûre, ça illumine la ville et ça l'embellit. Celle-ci est jolie, cette façade en plus, hein? Oui, c'est un magasin dédié à une célébrité locale. Ah ouais? Il a élu domicile dans notre baie et il s'appelle Fungi le Dauphin. C'est vrai? Et on peut le voir, si on se balade en bateau, on a peut-être une chance de l'apercevoir. Parfaitement, et j'espère qu'on aura de la chance. C'est une petite surprise. Sophie, je te présente mon ami Jimmy. Hello, Jimmy. Sophie. Nice to meet you. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. C'est parti. Pas encore, mais je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Là-bas, là-bas. Entre les deux bouées, tu vois. En fait, le dauphin, il aime jouer avec les bateaux. Oui, il aime s'amuser avec les bateaux. Les jet skis,
Fungi est sauvage, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas le forcer à quoi que ce soit. Il se nourrit tout seul, il est complètement autonome. La baie de Dingle n'a pas les allures d'un lagon tropical. L'eau n'y dépassera jamais les 16 degrés, même en plein été. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, l'endroit est réputé pour la plongée sous-marine. Et l'on vient de loin pour s'immerger dans cette eau frisquette. Je suis originaire du Royaume-Uni. Et je venais à Dingle en vacances depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai décidé de venir m'installer ici ces derniers mois. Après avoir plongé dans les eaux tropicales du monde entier, Louise est revenue travailler à Dingle dans la petite entreprise familiale. Salut, maman. La plongée est une activité saisonnière ici, car la mer en hiver est vraiment trop agitée. L'Atlantique est assez sauvage par ici et on n'a pas forcément envie de mettre le nez dehors. Aujourd'hui, les conditions météo ne permettent pas de s'aventurer au large, car la houle est trop forte. Mais Louise connaît bien la zone et trouve toujours un endroit pour plonger. Cette zone ici est bien abritée. Dans la baie, on arrive toujours à trouver un endroit protégé du vent. Cet endroit de la baie est une zone riche en vie sous-marine grâce à la présence des algues qui servent de refuge à plusieurs espèces de poissons et de crustacés. Il arrive aussi qu'on y fasse des rencontres inattendues. Les phoques sont vraiment curieux et très mignons à observer. Parfois, ils viennent nous mordiller les palmes ou jouer à cache-cache. Ils sont très amicaux et c'est génial de les rencontrer sous l'eau. Je me sens comme à la maison dans l'eau. C'est très calme, ça incite à la réflexion. J'adore plonger car c'est très apaisant. Ce sont quelques-uns de ces trésors enfouis qui récompenseront les valeureux plongeurs, comme Louise, qui ose braver les eaux froides de Dingle. Ah, je crois qu'on m'appelle. Hey, salut Sean! Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle ta moto! C'est ma deuxième passion, Sophie. Donc quand je ne suis pas à l'atelier en train de travailler le cristal, je suis sur ma moto et je me balade dans toute la péninsule de Dingle. Voilà ton casque pour monter derrière moi. Ok. We'll be right back.
Regarde ça, c'est fabuleux. La vue est superbe. Et là, juste derrière nous, il y a d'anciennes huttes en forme de ruche. Elles ont plus de 1000 ans. Et c'est là qu'habitaient les premiers Irlandais, tout au long de la côte ici. Hello Michael, nice to meet you. How are you, Mike? Salut Mike, heureux de te voir. Je vois que tu as le maillot de l'équipe du rugby là. C'est un sujet sérieux le rugby entre la France et l'Irlande. Rien n'est plus sérieux que ça. Et autre sujet sérieux, ce sont ces huttes en forme de ruche. Elles sont très célèbres. Elles font partie des incontournables de la région. Les gens qui sillonnent la côte ouest raffolent de ces vestiges. On a réussi à dater un petit peu l'époque de ces huttes. Les plus anciennes ont entre 1500 et 2000 ans. Michael, comment était leur toit ? En paille et en bois. Les plus petites ont un toit en pierre, car elles peuvent supporter la charge. Après toi. Oh là là, mais c'est fou. C'est vraiment très très bien conservé. Vous avez reconstruit quelque chose ou c'est vraiment en l'état ? Vous n'y avez jamais touché ? Pas celles-ci. Elles sont en l'état. Tu te rends compte qu'elles ont été construites par des hommes, à la main. Et ce trou-là ? Oui, c'est le souterrain, Sean. Il mène à des pièces cachées et jusqu'à l'autre hutte là-bas. Très ingénieux, hein ? En tout cas, toi, tu connais cet endroit depuis que tu es petit. On est vraiment sur les terres de ta famille, ici ? Oui, je sais que mon arrière-arrière-grand-père s'est marié ici il y a 170 ans. Peut-être même que tes ancêtres ont vécu dans cette hutte. J'aime à le croire. C'est ici que nous venions jouer aux cow-boys et aux indiens quand on était gamin. J'essaie de venir de temps en temps, car c'est vraiment à couper le souffle. Merci pour ton accueil. J'espère que ça t'a plu. Donc, t'as vraiment choisi un très bel endroit là pour le pique-nique. Hein. À ta santé. Et elle rompit le pain. Ça sent comme les glaces de chez Sean. Tu te souviens de sa glace au pain ? Ah oui, ça y ressemble. Du bon pain fait maison. On est vraiment au bout du bout. On est à la pointe la plus occidentale là de l'Irlande. Oui, le prochain arrêt, c'est l'Amérique. Pour Boston ou New York, c'est tout droit par là. Je suis sous le charme de cet endroit parce que, voilà, on est vraiment isolé et puis il y a un côté très, très sauvage. C'est vraiment un lieu chargé, hein, même en émotion, je trouve. Cet endroit attire beaucoup de gens pour s'y installer, car le paysage est magnifique et très dégagé. Les artistes ici sont très créatifs. J'aime vivre ici. Thank you for this picnic. Thank you so much, Sean. Ce bus m'emmène un peu plus au nord et vous allez m'y retrouver un peu plus tard car pour l'heure, il est temps de retrouver les routes d'Échappée Belle. Vous le savez, nous aimons feuilleter les carnets de voyage de grands réalisateurs voyageurs. Et cette semaine, Jean-Charles Degnaud nous emmène en Éthiopie. Il y a 19 ans, Jean-Charles avait réalisé un documentaire sur le pays de la Reine de Saba. Retour donc pour lui aujourd'hui sur ces terres qui fascinent tellement les voyageurs et les aventuriers. Je vous laisse donc partir pour l'Éthiopie et moi je vous attends ici en Irlande. À tout à l'heure. L'Éthiopie, pays des origines. S'il est une qualification qui n'est pas usurpée, c'est bien celle-là. Ce pays d'Afrique tient une place particulière dans la longue histoire de l'humanité. Il me passionne depuis longtemps. C'est là que la plaque terrestre s'est séparée, il y a 20 millions d'années. C'est là qu'a été trouvé le squelette de Lucie, notre ancêtre.
C'est aussi en Éthiopie que les premiers agriculteurs ont découvert le sorgho, le teff et surtout le café. Depuis l'Antiquité, cette contrée nourrit l'imaginaire des écrivains et des voyageurs en quête d'aventure, de dépaysement ou de spiritualité. Nouvelle étape qui va me conduire de Gondar au sud d'Addis Abeba, dans la région des lacs. Je longe les montagnes du Sémen qui atteignent 4000 mètres d'altitude. Les singes en faction attendent leur pitance des rares automobilistes. Le Sémen est surtout le domaine des babouins gélada. Cette espèce rare peuplait il y a 100 000 ans toute l'Afrique. On ne la trouve plus que sur les hauts plateaux éthiopiens. J'entre dans Gondar, qui a été la capitale de l'Éthiopie pendant plus de deux siècles. En 1635, le roi Facilidas construit un premier château sur ce plateau au climat idéal. Sa situation stratégique, loin des frontières, protège la monarchie des invasions turques et musulmanes. Devenue cité impériale, Gondar s'enrichit de nouveaux palais au fil des règnes successifs, jusqu'au milieu du 19e siècle, lorsqu'un roi pille et incendie les châteaux. Adissou Améa, enfant du pays, est le meilleur connaisseur du château. J'aime cet endroit. J'ai grandi ici. C'est mon école. C'est mon lieu de travail. J'ai beaucoup appris sur ce site. C'est comme une université pour moi. Jusqu'en 1971, tout était à l'abandon, envahi par les herbes. Les gens entraient ici comme dans un moulin. Personne ne leur disait rien. Et il y en avait même qui habitaient à l'intérieur. Ça, c'était les cages où les rois gardaient leurs lions. Ils étaient enchaînés et quand le roi se déplaçait, il y avait toujours un ou deux lions en laisse qui marchaient devant lui. C'était pour la plus grande gloire du roi. Gondar, c'est la région des Falachas, les Juifs éthiopiens. Je sais qu'ils ont pour la plupart émigré en Israël dans les années 80-90. Je vais à leur recherche. On nous a indiqué qu'il existerait une synagogue à Gondar. C'est par ici, non ? Oui, la montagne. Le bâtiment. C'est dans un quartier un peu excentré. Ah bah voilà. Ah oui, il y a des inscriptions en hébreu. On a trouvé. Nous sommes vendredi soir, c'est Shabbat à la synagogue Notre Espoir. À l'entrée, une jeune femme tricote des kippas à côté d'un garde armé. Les fidèles arrivent un à un. Cette communauté de Gondar est la dernière d'Éthiopie. Aujourd'hui, les 6000 derniers falachas de Gondar n'ont qu'un espoir, rejoindre à leur tour la terre promise. Si vous me posez la question, est-ce que je suis déjà allé en Israël ? La réponse est oui, mais en rêve. Selon une première loi israélienne, il faut avoir de la famille enterrée dans un cimetière juif pour émigrer dans le pays. Selon une deuxième loi, il faut que les deux parents soient juifs. La raison qu'on m'a donnée pour que je ne rentre pas en Israël, c'est que ma mère ne serait juive que du côté paternel. Ça fait maintenant 16 ans que je suis ici. J'ai 29 ans.
Quand on y pense, 16 ans d'attente, c'est une vie ratée. Au sortir de Gondar, j'essuie la première averse du voyage. Une pluie tropicale. Cela me rappelle que l'Éthiopie est située au sud du tropique du Cancer, sous l'influence de la mousson qui vient de l'océan Indien. Sur la route d'Addis Abeba, je découvre avec émerveillement une vallée grandiose, creusée au fil des millénaires dans le plateau éthiopien. Au fond coule un fleuve mythique, source de vie et de prospérité pour tous les pays jusqu'à la Méditerranée. Le Nil bleu. En ce mois d'octobre, il ne porte pas vraiment son nom, car les eaux chargées de boue venant des montagnes lui donnent cette couleur qui ne disparaîtra que dans un mois ou deux. J'arrive à Addis Abeba, capitale d'un pays de 95 millions d'habitants. La ville est immense, moderne, sans grand charme, comme il en existe partout dans le monde. Des immeubles standards, des chantiers partout. Je n'ai pas l'intention de m'y attarder. Seule originalité, tôt le matin, des sportifs de tous les âges, de toutes les conditions sociales, s'entraînent en groupe et avalent les kilomètres sur un terre-plein au centre-ville avant de se rendre au travail. La course à pied, une passion éthiopienne. Pas étonnant que depuis des décennies, ces marathoniens collectionnent les médailles olympiques. Ce qui m'intéresse est ailleurs, au Musée national d'Éthiopie. J'ai rendez-vous avec Jean-Renaud Boissery, paléontologue, chercheur au CNRS et au Centre français d'études éthiopiennes. Il m'ouvre les réserves. C'est une plongée dans les matins du monde qui va au-delà de ce que j'imaginais. Donc là, on a vraiment un crâne d'hippopotame contemporain de Lucie. Il a été trouvé dans le même site, mais on a des spécimens d'âge différents, comme par exemple ici à 2 millions d'années, ici 1,8 million d'années, là 2,3 millions d'années, ici 4 millions d'années. Ils proviennent tous de cette gigantesque cassure du Rift, où j'étais il y a quelques jours, qui se prolonge au sud, jusqu'au Mozambique. Des scientifiques du monde entier viennent travailler sur ces crânes, mâchoires, tibias fossilisés. C'est parmi eux qu'un jour de novembre 1974 a été découverte la gracile Lucie. Donc voici une reconstruction en pied de Lucie, de son squelette, tel qu'il était il y a 3,2 millions d'années, au moment où elle vivait. Vous avez en marron les parties qui ont été réellement découvertes. En blanc et en bleu, ce sont les parties qui sont reconstituées. Alors, Lucie était adulte, elle a sa dent de sagesse qui est déjà sortie, mais elle ne faisait qu'un mètre cinq à l'âge adulte pour en gros 20-25 kilos. Qu'est-ce qui la caractérise d'autre? C'est son petit cerveau comparé au nôtre. Il n'est pas plus gros que celui d'un chimpanzé. Son bassin et les os de ses jambes montrent qu'elle avait une station préférentiellement debout sur ses deux pattes arrière. On parle de bipédie. Il existe bien des moulages de Lucie, mais je voudrais voir l'original, la vraie. Celle que Maurice Taïeb, Yves Coppens et Donald Johansson ont découverte. Après bien des démarches, j'obtiens l'autorisation d'entrer dans le sein des saints du musée, la salle des coffres. Peu de gens ont le privilège de voir ce squelette. Son numéro de code, AL288-1. Les trois boîtes renferment 52 ossements. Ma curiosité est comblée. Mais pas seulement. J'avoue ressentir une vraie émotion. Il me revient qu'en amharique, Lucie est appelée Dinkenesh, qui signifie « tu es merveilleuse ».
Je trouve que cela lui va bien. Fini Addis Abeba, je reprends avec plaisir la voiture, toujours vers le sud, à la recherche cette fois de paysages, d'animaux, de modes de vie différents du nord, mais qui, encore une fois, me ramènent au commencement. L'environnement change. La savane qui borde la chaîne des lacs défile devant mes yeux. Ici, voyageurs, commerçants, guerriers ont laissé des traces. Ainsi, ces stèles érigées au XIIe siècle, elles marquent les exploits des guerriers de la région. Autant d'épées gravées dans la pierre que de victoires. Dans la plaine apparaît le lac Zouaï. C'est le paradis des marabouts et des pélicans. Dès mon arrivée, les enfants se précipitent. Le numéro est au point. Contre quelques pièces, ils attirent les oiseaux en leur lançant des déchets de poissons ramassés sur les rives à l'arrivée des pêcheurs. Le lac est peu profond, 4 mètres, et poissonneux. Il abrite surtout une réserve ornithologique remarquable. À la tombée du soir, j'embarque avec un jeune homme, apprenti guide, amoureux des oiseaux, qui fait partager sa passion aux enfants du village voisin. Il connaît bien son sujet. Ici, c'est un habitat idéal pour les oiseaux. Il n'y a que les oiseaux qui vivent sur ce lac. Ils peuvent trouver facilement de la nourriture. Et c'est pour ça que beaucoup d'espèces ont choisi de s'installer ici. C'est un endroit sans danger pour eux. On trouve plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux différentes. Le plus répandu, c'est le cormoran. Le cormoran à poitrine blanche. Et aussi l'aniga d'Afrique, ce que les touristes appellent l'oiseau serpent. Nous avons aussi la spatule d'Afrique. Malgré 3 rivières qui alimentent le lac, le dérèglement climatique et la pollution se font sentir. J'étais loin de le deviner, tant cette nature paraît intacte. Le niveau de l'eau a bien diminué par rapport à avant, à cause du temps. Cette année, par exemple, il n'a pas assez plu. Le mauvais temps, la sécheresse, ça m'inquiète. En plus, on jette des produits chimiques. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Je n'aime pas ça, car ça pollue l'environnement. Autour du lac ce matin, il fait déjà très chaud. Sous un sycomore, plusieurs fois centenaire, je vis un instant de plénitude et de sérénité. L'air est pur à 1600 mètres d'altitude. J'éprouve une impression de paradis terrestre. Ici, depuis toujours, la vie s'est développée. La nature a tout donné. De l'eau, donc de l'herbe grasse, tendre, pour les pâturages, des animaux, des poissons, des éléments essentiels pour se nourrir et pour vivre. Salut le Frenchie. Ça va? Ça va et toi? Super.
Et la pluie s'arrête quand je descends du bus. Ça, c'est typique, hein. Je suis très contente de te retrouver. Bah oui. Un petit Français dans ce voyage irlandais. Perdu dans le Connemara. Dans quelles circonstances t'es arrivé là, toi ? Je venais en été, chaque été, depuis 30 ans, là, en vacances ? Avec mes grands-parents, oui, ouais. En vacances, et j'ai rencontré Ticiane. Ta femme ? Elle habitait Galway. D'accord. Et moi, j'étais en fin d'année, je devais faire un stage. Ok. Donc mon stage, ben, je l'ai fait, et je suis resté ici, avec elle. Bon, Sophie, viens, je vais te présenter toute la famille. Bonjour. Ça va, mon cœur ? Oui. Donc c'est Sophie. Salut Ticiane. Ah, salut. Enchantée. Bonjour Ticiane. Salut ma grande. C'est Océane. Oh, joli prénom Sophie. Ça, Océane. Et Marie. Oh, joli prénom aussi. Océane et Marie, c'est bizarre comme prénom. Vraiment, pour des gens qui vivent dans ce bel endroit qui aiment la pêche. Marie, notre petite sirène. Elles sont super. Et si on avait eu un garçon, on l'aurait appelé Omar, peut-être. Oui, c'est ça. Vous êtes jolies comme tous les filles, c'est l'heure d'aller à l'école. Oui. Oui. Vous allez préparer vos sacs. Vous préparez vos cartables. Super, à tout de suite, les filles. Devant ma clinique. Là, c'est la clinique c'est où tu as tes soins. Voilà. By Tissi. Ouais, c'est mon surnom, ouais. Ouais. Parce qu'ici, ils ne savent pas dire Ticiane. Donc Tissi, c'est mieux. Soyez sages, hein. Bonne journée, les filles. Aujourd'hui, c'est un peu une autre casquette que tu mets entre guillemets avec moi parce que guide touristique, c'est ce que tu as été pendant quelques années en Irlande. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée et pendant plus de 10 ans. C'est comme ça, ça m'a permis de découvrir le pays. Ouais, c'est ça. Et c'est magique. Ces petits murets forment des petits bosquets. Il y a beaucoup de pierres ici. Tu vois, c'est un plateau karstique, il n'y a pas beaucoup de terre. Une manière de cultiver ici, d'ailleurs, c'est en faisant des couches de sable et d'algues pour faire des petits champs de pommes de terre. Hein. C'était d'accord. Leur nourriture principale dans le temps. Mm-hmm. Je parle du 18e, 19e siècle. D'accord. Et tu as vu comme les pierres sont posées les unes sur les autres. Il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de ciment. C'est le temps qui finit par cimenter ça. C'est un décor de film ici. Oui, c'est clair. C'est incroyable. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bateau ? En 1960. C'était en pleine nuit et le bateau a fait naufrage. Donc les habitants ont aidé les naufragés. Hein. D'accord. Ils ont tous fait sortir. Il y en avait 22. Ouais. Puis après, ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre sur le bateau. Et voilà, il est resté là en ruine. Mais l'année dernière, on a eu une grosse tempête. Mm-hmm. Et le bateau a été transporté un peu plus près encore dans les terres. T'imagines ? Tu m'emmènes visiter le cimetière ? Eh oui ! Parce qu'il y a dans le cimetière une petite église primitive. Cette petite église, elle est enterrée en fait. Enterrée ? Eh oui, regarde. Ah oui, on la devine pas du tout quand on voilà. Arrive. Voilà,
c'est le sable qui souffle et qui est monté. C'est pas l'église qui s'est affaissée. Hein. D'accord. Ils savent pas trop la dater, mais on voit avec l'arche qui a le style gothique. Ça, c'est plutôt 12e, 13e siècle. Puis ce qui est rigolo avec ces petites églises, c'est ces petites légendes qu'ils ont. Tu vois la fenêtre là, juste où il y a le Christ. Hein. On dit que si tu peux passer par la petite fenêtre, d'ailleurs, tu peux voir que c'est abîmé. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé. Tu vas directement au paradis. Tu veux essayer ? On va essayer, mais je pense que je passe pas. Hein. Non. Ah oui, là, t'es coincé. Non, je passerai pas. Oh, bah, t'iras quand même au paradis, va. Ouais, t'es gentille, toi. Eh bah, tu vois, Sophie, là. Voilà, ça, c'est le château, le point le plus haut de l'île. Donc, un château qui date du 15e siècle, en ruine. Le château de O'Brien. Imagine-toi que tout ça, c'était des parcelles qui étaient habitées. Et pendant la grande famine, en 1845, il y a eu la maladie de la pomme de terre, le mildiou. Et toutes les récoltes ont été ravagées. Ça a été pour toute l'Irlande une perte qu'on estime en 3 millions d'habitants, t'imagines ? Ah ouais. Qu'on n'a pas rattrapé de nos jours. Hein. Dans toute l'Irlande, il y avait plus de 8 millions d'habitants et aujourd'hui, on est à 6,5 millions. D'accord. On a encore beaucoup qui partent d'ailleurs, d'où le fait que les Irlandais, c'est vraiment des voyageurs. C'est vrai. Certains Irlandais sont de grands voyageurs, mais il en est d'autres qui restent fermement enracinés à leur terre. C'est le cas de la plupart des insulaires qui vivent dans l'archipel des îles d'Aran. Sur Inishman, l'île du milieu, on ne dénombre que 150 habitants. C'est l'île la moins peuplée et la plus isolée. On y trouve certains fermiers, comme Peter, qui ne parlent que le gaélique et vivent encore comme il y a 50 ans. J'ai été fermier toute ma vie, depuis que j'ai arrêté l'école. J'ai un petit lopin de terre et je fais du foin pour le bétail. C'est beaucoup de travail, mais si je ne plante pas les patates, personne ne le fera à ma place. Peter est né sur cette île et il a toujours vécu ainsi, du travail de sa terre et de son modeste troupeau. J'ai la chance d'avoir un très bon chien, il connaît son boulot. Et il sait exactement où il faut emmener le troupeau. Ces murs en pierre servaient à délimiter les parcelles. Mais avant, ils étaient beaucoup trop bas et les moutons pouvaient s'échapper. Alors on les a tous relevés. Avant, Peter vivait ici avec ses 12 frères et sœurs. Mais ils ont tous quitté l'île. Et désormais, il n'y a plus que lui pour garder la maison familiale. Les choses ont beaucoup changé sur l'île. Maintenant, on a le ferry qui vient pour nous approvisionner. Mais avant, je devais aller moi-même en barque sur le continent. On vivait avec très peu de choses, mais on était content car c'est une très bonne île. On peut rester ici et être heureux. La vie a toujours été rude sur Inishman. Coupé du monde sur ce petit caillou balayé par les vents, les habitants ne pouvaient compter que sur eux-mêmes jusqu'à récemment. L'île a été raccordée au réseau électrique il y a à peine 20 ans. Et quand le temps le permet, c'est une rotation aérienne qui achemine le courrier depuis le continent. Il n'y a pas beaucoup de courrier aujourd'hui, mais je vais quand même devoir aller aux quatre coins de l'île pour le distribuer. Ici, les maisons n'ont pas de numéro. Alors, il faut connaître les gens et savoir où ils habitent. Anna, la factrice d'Inishman, fait sa tournée à vélo, été comme hiver, qu'il vente ou qu'il pleuve. Car ici, les routes sont trop étroites pour la camionnette de la poste. Et parfois, il n'y a même pas de route du tout. Comme sur ce vaste plateau calcaire qu'il faut traverser pour rejoindre les maisons les plus reculées. C'est très important d'entretenir le contact avec tout le monde sur l'île, surtout avec les personnes âgées. Je vais voir s'ils n'ont besoin de rien, je leur apporte les nouvelles. Par exemple, je les préviens si le docteur doit s'absenter de l'île ou je leur donne les horaires de la messe. J'adore vivre ici. Je ne pourrais vivre nulle part ailleurs. C'est tellement beau, le paysage change tous les jours, même le mauvais temps est beau. Et il n'y a pas de délinquance ici. Personne ne ferme sa porte à clé.
C'est un endroit unique au monde. Récemment, Inishman s'est offert une nouvelle jeunesse en obtenant l'ouverture d'une école primaire. Une vingtaine d'élèves peuvent y apprendre la langue gaélique et suivre des cours de musique traditionnelle. Tout en restant à l'écart du monde, l'île d'Inishman n'est pas prête de se laisser mourir. Les canapés sont prêtes ? C'est prêt. On va aller faire un peu de maquereau. On va faire une petite sortie dans la baie de Galway. Bon, très bien. Donc, tu es très ambitieux, hein, parce que tu en as sorti quand même pas mal. Hein. On va être quatre. Hein. Oui, il y a une fine équipe, là. Hein. OK. Bon, on est au taquet. On décolle ? Ouais. Allez, c'est parti. Décris-moi où on se trouve là, Max. Bah là, sur ta droite, t'as Carraro, la presqu'île de Carraro, Rosseville sur ta gauche. Okay. Et comme tu peux voir là-bas au fond, les îles Aran. Ouais. Et heureusement que ces îles Aran sont là, elles nous protègent beaucoup du vent. Allez, c'est la compète. C'est le premier qui attrape l'apéro. Voilà, c'est toujours comme ça, la Guinness. Ça meurt là, hein, je crois. Et voilà, notre pas de soir. Ah, t'as une touche, là. C'est ça. Moi ? T'as une touche, ouais. Mais ça, c'est génial. Ouais, je continue. Regarde, waouh, bravo. Hey, bravo. Elle nous fait une vieille. Elle est belle, celle-là. Ah ouais, magnifique. Hein, voilà une espèce, là, Sophie, tu vois, une vieille. Très élégante. Voilà, t'as la vieille coquette, et puis t'as la vieille. Max, je crois qu'on est suivi. Ouais, vas-y, lance un morceau de macro, tu vas voir. Hop là. Youhou. Hé, hey, Sophie, ne lance pas tout, il nous en faut pour le barbecue ce soir. Ah mais pas lui, ça c'est les garçons. C'est qui a pêché ces crabes ? Papa. Ah bon ? T'as pêché quoi aujourd'hui ? Une petite dizaine de maquereaux, on a pêché à peu près. Ouais, non, c'est bien débrouillé. Petite pêche, mais belle pêche. Ah ouais, c'était super. On se met à table ? Ouais, avec grand plaisir. Allez, vas-y. Casse la queue. Maman, tu peux supplémenter la peau et les arêtes. Attends. Oh, et t'as le courage, toi. Attention, cachez-vous. Vous êtes prêts ? Ah, ouais. On en a partout. Voilà, tiens. Ça va. T'as vu comme elles sont très charnues, hein, c'est ça. Je te défie au baby foot. Qui veut faire équipe avec moi ? Moi ! Okay, allez, on a besoin de public. Hein. Allez, public. Toi, tu joues pas avec moi. T'es de côté. Allez, c'est un match France-Irlande. Boum, dans les buts. C'est qui les médecins ? Bon, bah, attention. On serre la main. Voilà. Merci. Voilà, c'est comme ça que se termine mon voyage en Irlande. J'ai passé vraiment de très, très belles échappées ici. Je ne sais pas quel mot choisir parce qu'il n'y a pas de mot assez fort pour décrire la gentillesse et l'accueil des gens ici, des Irlandais. Et les gens sont tellement sympas ici qu'ils m'ont laissé des petits messages. Alors, on va les regarder ensemble. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Et venez en Irlande. Au revoir. Salut Sophie. C'était génial ces quelques jours passés avec toi. Je sais que tu quittes l'Irlande, mais reviens quand tu veux. On a blagué sur Brigitte Bardot, mais tu es encore plus sympa qu'elle. Tu vas nous manquer. Hello Sophie, je voulais te dire au revoir avant que tu rentres en France. J'ai rencontré des filles magnifiques avec qui j'ai dansé. Je croise les doigts pour la suite. Je pense que je vais conclure. Je te souhaite le meilleur. Au revoir et à bientôt. Salut Sophie, je voulais juste te dire merci d'avoir passé du temps avec nous à Galway.
On a passé du bon temps avec toi et tu es si authentique. Juste une chose, je pense que tu dois améliorer ton pas de danse. Il y a du travail. Yeah.